Putain, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, Kékaouette. Oh là là, elle tourne en rond là. En ce moment, elle fait que ça. On en parlait en live l'autre jour. C'est pas ce qu'elle a. Mais elle passe son temps à tourner. Mais genre pendant des heures, elle fait ça. Alors, lui, elle est promenée. Lui, elle est sortie. Enfin, c'est juste la vieillesse, quoi. Et en fait, elle fait que ça. Elle va à la cuisine. Elle va au salon. Et des fois, elle fait ça pendant une heure, genre. Elle va à la cuisine. Elle s'arrête. Elle retourne devant la porte, là-bas. Elle s'arrête. Elle retourne dans la cuisine. Et là, depuis ce matin-là, que je me suis levé, elle fait que ça. Après, des abonnés, on se dit, c'est normal, c'est la vieillesse, elle devient cinglée, quoi. Je dis, mais c'est chiant. C'est franchement casse-couille, putain. On entend tic, tic, tic. Elle fait que ça. Elle tourne. Là, elle va à la cuisine. Non, même pas. Elle tourne. Et elle retourne. Là, elle tourne en rond. Ah là. Et me dit pas, il faut la sortir plus souvent parce qu'elle ne veut pas sortir. Quand Laura promène les chiens, elle reste là. Ouais, je pense qu'elle devient juste zinzin. Elle oublie en fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle se met un truc en tête, elle est contente, et puis après elle oublie en fait ce qu'elle voulait faire. Et du coup elle remarche. Ça doit se dire, oh je vais aller à la cuisine. Elle va à la cuisine, et puis après elle se dit, oh non, je vais au salon. Après elle arrive au salon, elle se dit, pourquoi je suis là? Moi je retourne à la cuisine. Et machin. Bref les amis, une petite intro de vlogu comme ça, un peu à la fraîche là, j'espère que vous allez bien. Hier je vous ai clôturé le vlog et après je suis allé prendre ma douche, on allait regarder la série The Range qu'on a terminé. Voilà, on a fini notre série The Range, ça y est, c'est finito et ça fait plaisir à son homme d'avoir fini cette série. Elle était vraiment très très bien. Moi j'ai vraiment bien aimé l'humour, l'histoire, les personnages et tout. C'était vraiment cool. Ça faisait plaisir. Du coup, là je me suis couché vers 1h du mat, Laura un peu plus tard. Et au programme de ce jour, en fait j'ai mis mon réveil ce matin à 8h30. C'était peut-être un peu short. Parce que là il est déjà 8h46. Tout simplement parce que le père de Laura, normalement il vient ce matin à 9h30, qui lui a dit pour venir faire les mesures et tout ça pour la bibliothèque qu'on veut mettre derrière la télé. Il nous a proposé de commencer à attaquer le truc. Donc il vient, il fait les mesures et tout. Donc j'ai mis mon réveil plus tôt parce que j'ai aussi mon vlog à monter d'hier. Donc là je vais remonter, je vais aller monter mon vlog. Et comme ça après bah, je suis dispo avec son père pour pouvoir voir pour la bibliothèque, etc. D'ailleurs, je vais déjà mettre mes chaussures comme ça, c'est fait. Allez. Dehors, il pleut. Il y a eu un vent de folie. Du coup, ici, cette nuit, on entendait ça. Ça ventait de ouf. Ah, mais vous l'entendez? Elle fait que ça, tourner. Donc j'espère pouvoir monter vite fait le vlog avant que son père arrive. Et puis après on va attaquer du coup cette bibliothèque. J'en avais parlé un petit peu au marché de Noël, avec Laurent elle avait participé. Il m'avait dit dès que je suis un peu dispo, on attaque ça et tout. Je dis oui, je dis c'est pas pressant. Hein. Et là hier il a appelé Laura pour lui dire que si on était ok, il venait demain. Donc c'est bon. Sachant que demain, moi, je suis pas là à partir de du milieu d'après-midi, je dois aller à Épinal chercher mon matériel. Et je dois surtout aller faire l'enquête de Ghostness. Avec frère Jouffré. T'as vous entendu? Elle fait des 100 pas. Je lui mets ma montre, à la fin de la journée, elle fait 30 000 pas. Hein. Et la porte est ouverte pour aller pisser et tout. Hein. Elle veut, c'est pas qu'elle veut sortir ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste, c'est pas ce qu'elle fait. Et elle revient. Je vous jure, c'est. Mais c'est infernal, hein. Quand t'es devant la télé et que tu la vois tourner, mais tu pètes un plomb.
c'est infernal. Bon bref, je vais aller monter le vlog avant l'arrivée de son père. Ah, il me reste 40 minutes, ça va. C'est bon. Alors là, si la journée pouvait pas plus mal commencer, franchement, parfait. Il est 9h23, j'ai toujours pas commencé à monter mon vlog, je vous explique pourquoi, c'est la merde. Hier j'ai vlogué. J'ai vlogué, pas de soucis. Et hier soir, du coup, avant d'aller à la douche, une fois que j'ai fini de jouer avec Geoffrey, j'ai mis du coup en chargement mes fichiers de mon vlog. Donc j'ai transféré, j'ai mis la USB sur mon PC comme d'habitude et j'ai lancé le transfert. Comme ça, je me suis dit, demain matin, les fichiers sont déjà faits, sont déjà sur le PC. Sauf que en descendant pour aller prendre la douche, il y a une coupure de courant. À cause du vent et tout, ça nous arrive régulièrement. Donc mon PC s'est éteint. Sauf que le transfert des fichiers était en cours. Et donc là, ce matin, je vais dans mon dossier pour commencer à monter le vlog et je me rends compte de quoi ? Bah, qu'il manque... genre, il n'y a que 3 fichiers du vlog hier. J'ai vlogué 12 fichiers, il n'y en a que 3 de transférés. Tous les autres ont disparu. Ils sont pas sur la clé, ils sont pas sur le disque dur. Oh putain de merde, je me suis dit, waouh. La Laura vient de se lever, je lui ai dit, c'est la merde et tout. Elle me dit, bah, dis tant pis, c'est pas grave. Je dis, bah si. Là, le logiciel, il coûte 50 balles pour récupérer les fichiers. C'est un logiciel avec une licence. Je dis, 50 balles le fichier, ça fait cher le logiciel. Et elle me dit, oh bah c'est pas grave, tant pis, tu payes pas et puis t'as un vlog en moins. Je dis, le problème c'est que dans le vlog j'ai dit des choses intéressantes que j'ai oubliées depuis. Donc ça suit pas. Et en plus de ça, moi un vlog ça me rapporte plus que 50 balles, tu vois. Donc là, la grosse merde. Donc j'ai installé un logiciel de récupération de fichiers pour essayer de récupérer mes fichiers, tu vois. Et c'est la grosse catastrophe. C'est la catastrophe. Donc là, j'ai réussi à récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fichiers. Donc il m'en manque, il y en a un qui est foiré, je n'arrive pas à récupérer, il est corrompu. Donc celui-là, je ne sais pas quoi faire. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. C'est la merde. C'est la merde. Là, j'ai mis une autre carte mémoire, du coup, parce que j'essaie de récupérer sur la carte mémoire. Ouais, c'est la merde. Tac, mon dossier est là. Non, je veux pas, en plus, je fais n'importe quoi dans la panique. Donc là, j'ai le 72-28, il ne marche pas. Je vais quand même essayer de le re-récupérer, mais il ne marche pas. Donc j'ai le 29, il ne marche pas non plus. 28-29, ils sont foirés. Après, j'ai le 30-31, c'est bon. Jusqu'à 40. Et j'ai pas le 41. Bah, le 40, c'est le où je clôture. Ouais, c'est bon alors, ça va jusqu'à 40. Donc là, il manque 2 fichiers. J'ai 2 fichiers du vlog qui sont foirés. Et là, le fichier est carrément corrompu, donc je suis vraiment pas sûr de pouvoir le récupérer. Donc ça, c'est un peu la merde. Je vais essayer de les récupérer, mais vraiment... pas sûr du tout que j'arrive à le faire. Parce qu'en fait, je récupère le fichier, mais il est illisible. Il me manque juste 2 fichiers à récupérer et normalement ce sera bon. Donc je sais pas, à voir. Oh là 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 là. Oh le bordel toi. Putain de coupure de courant de merde quoi. Parce que là il est corrompu et un fichier vidéo corrompu c'est quasi irrécupérable. Le père de Laura va pas tarder à arriver, j'ai même pas commencé à monter mon vlog. Donc c'est la de merde. En gros, j'ai pas l'intro de vlog et j'ai pas l'autre le fichier d'après. Ça commence le vlog dans la voiture. Ah, il est corrompu le fichier. À mon avis, il manquera un morceau de vlog. Je l'annoncerai et puis voilà, je le dirai en début de vidéo et puis c'est tout. Puis si je vous dis, hein. Mais ça fait chier quoi. Oh là 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 là, ça va pas cette affaire. Bon, moi j'ai réussi à récupérer quand même les 3/4 du vlog. Je me dis, c'est déjà ça, tu vois. Mais moi, c'est plus que ça que j'ai besoin. J'ai besoin de tous les fichiers en fait. Celle-là, le vlog va démarrer, mais ce sera pas bien démarré. Récupération complète. Ouais, j'ai les 2 fichiers qui sont là, mais ils sont corrompus. Aïe 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 aïe.
Bon, je vais essayer de faire comme je peux avec. Et puis on verra bien ce que ça donne. Parce que si je les charge, les fichiers, ben oui, mais ils sont corrompus. J'essaie de le lire avec VLC, il me dit que ça va pas. Ah, il tourne. Fixe corrompu de vidéo. Quelle merde. Bon les amis, il est actuellement presque 10h, le père de Laura n'est pas encore arrivé, tant mieux parce que j'ai réussi du coup à monter mon vlog face, rapide. Je sais ce que j'ai dit, donc je me suis même pas fait chier à écouter, j'ai foutu les musiques et tout, là j'avais vraiment pas le temps, il fallait que je fasse ça très rapidement. Donc c'est bon, j'ai réussi à le monter, donc au lieu de faire 30-32 minutes, il fait que 25 parce qu'il manque deux fichiers, un fichier de 5 et un fichier de 2. Bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, alors ça fait chier d'avoir perdu ces deux fichiers d'introduction. Du coup, j'ai retourné une introduction du coup aujourd'hui en disant, bah écoutez, j'ai perdu les fichiers. Mais voilà, comparé, voilà, quand je me suis connecté sur le PC ce matin, que je l'ai redémarré hier, parce que j'ai vu que la coupure de courant l'avait coupé, il faudra vraiment que je mette un onduleur, au moins ça m'éviterait ce genre de problème. L'onduleur, c'est une batterie en fait, qui laisse le PC allumé en cas de coupure de courant. Mon père en avait un quand j'étais gosse. Ça m'éviterait ce genre de problème. Mais ce matin quand je suis allé sur le PC, que j'ai vu qu'il n'y avait que deux fichiers, les deux derniers de la journée, je me suis dit mais c'est quoi cette histoire. Non, sur la clé USB il restait deux fichiers. Et je me suis dit pourquoi il n'y a que deux fichiers, attends ils sont où les autres. Et je me suis souvenu, je me suis dit putain la coupure de courant hier, ça a craché en plein transfert des fichiers. Et du coup bah, ce crash fait que bah, j'avais perdu et sur la clé USB et sur le disque dur du coup tous les autres fichiers. Donc il y avait 12 fichiers, j'ai réussi à récupérer 10 sur les 12 qui étaient perdus. Les deux autres, bon bah tant pis, j'ai refait une introduction et puis j'ai expliqué en disant que je me souvenais plus de ce que j'avais dit, que je peux pas leur redire ce que j'avais dit, mais que voilà, malheureusement, j'ai essayé au moins de récupérer ce que je pouvais, et c'est le cas, j'ai réussi à récupérer quand même deux, trois, voilà, les trois quarts du vlog, je l'ai monté, il fait 25 minutes, et puis c'est déjà ça quoi, au moins vous avez déjà ça. Oh putain la merde, je te jure. Oh ma mère. Ouais. Oh oui, à mort. Ouais. Elle l'a reçu seulement après Noël parce qu'ils ont eu du retard de livraison. Donc je pense que je lui ai demandé, mais je sais qu'elle avait une commande qu'elle devait recevoir avant Noël. Et ils ont merdé, elle a dû gueuler et tout, et elle l'a reçu seulement après Noël. Donc à mon avis, ça doit être cette commande-là, je pense. Ouais, bah je vais lui demander, mais ça doit être ça. Hein. Ouais, attends, je vais demander. Chérie, la commande de ma mère, Guy de Marle, c'est celle que t'as reçue la dernière, là, en retard? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'elle me demandait, justement. Bon, le rendu de la vidéo a fonctionné. J'ai pas eu de plantage, malgré que ce soit des fichiers récupérés avec le logiciel, là, il vient de se terminer. Je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. Je me serais bien passé de ce bordel là ce matin. Une heure de perdu à cause de cette histoire. Je vais parler un peu à Laura, mais je comprends pas. Elle me dit bah c'est pas grave, t'as un vlog en moins. Je dis bah oui, mais ça fait 100 balles en moins, ça fait un peu chier quoi. Heureusement que j'avais un logiciel de récupération de fichiers que j'avais depuis longtemps. Et je lui dis, je peux pas me passer d'un vlog en moins, 100 balles en moins, c'est énorme. Surtout au mois de janvier où les revenus sont vachement bas, tu vois. Mais bon, moi j'ai réussi à récupérer quand même une bonne partie, mais ça m'énerve d'avoir deux fichiers en moins, parce que tu vois, c'est du coup le vlog est tronqué au début. Alors, c'est pas le plus important du vlog, mais ça fait chier quand même, quoi. Donc, je comprends pas que ça me tracasse et que ça m'énerve. J'ai envie de dire, c'est comme toi quand tu rates une recette de cuisine. Ah, faudrait que je lui donne ça comme comparaison. C'est comme si elle ratait une recette de cuisine, c'est pareil, c'est le même bordel. Genre elle prépare une recette en vidéo et boum c'est raté, bah c'est énervant. Alors boum, c'est bon, il est en cours d'envoi sur YouTube. Ça transfère. Hein?
C'est quoi cette histoire? Ah, c'est le vlog d'aujourd'hui. Ah, je voyais le vlog d'hier, 1195 vues. Je me suis dit quoi? C'est pas possible, 1195 vues sur le vlog d'hier. Tu rigoles, ça fait pas beaucoup. Mais non, en fait, c'est le vlog d'aujourd'hui. J'ai confondu. Non, le vlog d'hier, il a 5000. Ah oui, c'est quand même. C'est plus propre. Ouais. Ouais, c'est mieux. Bon, le père Laurent, il n'est pas encore arrivé, il est 10h05. Je lui dis, alors, je dis, ton père, il t'a recontacté, il t'a confirmé. Il m'a dit, bah non, il a dit qu'il venait. J'ai dit, oui. Je dis, ça se trouve, il a changé ses plans, il a peut-être autre chose de prévu. Je dis que je sache juste, moi, si je dois me préparer à sa venue ou pas, quoi. Parce que, bah, j'ai du boulot aussi et tout. Et si finalement il vient pas, que je le sache. Quoi, Mahou? Et cet abruti de chat hier qui a voulu sortir en pleine tempête. Bah du coup j'ai quand même ouvert, hein, il gueulait derrière. Alors, j'étais en train de jouer à Warzone avec Geoffrey, et le matou il gueule, ça fait rire Geoffrey et tout, et je lui dis de fermer sa gueule au chat. Parce que c'est chiant, tu joues, t'entends derrière toi, il était devant la fenêtre, mais j'avais pas le temps de lui ouvrir, j'étais en train de jouer en pleine partie. Et après il est venu, il est monté sur la chaise de Léo qui était à côté de ma chaise quand Laura a fait le live avec moi. Il est venu, et il me tapotait comme ça, il me faisait sur mon bras, tu sais, pour me dire, tu vas m'ouvrir gros. Donc je l'ai finalement ouvert, c'est bon. Putain ce chat. Ouais, bon, en tout cas, bah, ce soir j'ai un live. Ouais, et demain j'ai l'enquête. Et j'avais demandé à Laura si elle pouvait faire une galette des rois, mais elle m'en a pas reparlé. Et hier je suis allé vite fait aux courses, elle m'a pas demandé de prendre ce qu'il faut, donc je pense qu'elle a pas envie. Donc du coup, bah, ça aurait pu faire un live pour elle. Mais bon, c'est pas grave. Le truc c'est qu'il faut récupérer toutes les planches dans le grenier du garage, mais je vais pas toutes les amener dans la maison si pour l'instant on sait pas encore si Antonio il vient ou pas. On attend de voir s'il vient. Moi, en attendant je vais continuer de bosser et puis s'il vient tant mieux, s'il vient pas, bah, de toute façon pour moi j'aurais pas perdu de temps et je bosserai quoi. Mais le truc c'est que si t'es en train de bosser et que d'un coup il arrive, faut tout couper. Bon, le vlog y est transféré, ouais c'est bon, et la monétisation est activée. Bon il est moins long que prévu hein, mais bon, c'est comme ça hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon allez. On va voir s'il vient. Et à quelle heure il vient. En plus il flotte dehors. Va falloir aller dans le garage et tout. Putain la merde. Et il y a le vieux, regardez. Il y a les trucs du vieux qui se sont promenés hier avec le vent. Là l'espèce de. Ça c'est un coffrage de machine à laver, je sais pas quoi. Qui est en fait. Tu vois là tout le bordel. Ici en fait il y a plein de bordel que le vieux il a mis. Et derrière les garages, c'est une déchetterie. Il y a tous ces déchets et tout ça, ils s'en foutent, ils les jettent là au lieu de les amener à la déchetterie. Et quand le nouveau propriétaire lui a fait la remarque, il a dit « Oh non, c'est pas à moi, machin. » Oui, bah oui, c'est pas à lui. Il est seul ici, mais c'est pas lui, tu sais. Nous, on a emménagé, c'était déjà le bordel. Et surtout que quand on avait discuté avec l'ancienne propriétaire d'à côté, elle nous avait dit que c'était lui qui avait foutu toute sa merde et tout ça. Et là, bah du coup, avec le vent, il y a tout qui s'est baladé. Mais bon, il en a rien à foutre. De toute façon, ils ont aucun respect pour rien, ces gens-là. Donc, Pourquoi ils auraient du respect pour la nature et tout? Ils s'en foutent, hein. Ils laissent tout ça en bordel et puis voilà. Ah, je te jure, quelle histoire. Bon, on va attendre de perdre Laura. Puis on verra bien. We're gonna see. Oh bordel, j'allume la télé du coup. Elle s'allume plus. Bon là, c'est allumé du coup. Mais impossible d'allumer, j'appuie sur le bouton, il se passe rien et tout. Aucune réaction, je me dis putain c'est pas possible, elle a pas cramé avec la coupure de courant hier quand même. Je l'ai débranché le câble derrière, j'ai rebranché et puis c'est bon, elle a redémarré. Donc, je pense qu'elle était juste plantée. Mais là je me suis dit ça y est, il y a encore un truc qui a cramé. Entre mettre l'USB et ça, c'est bon. Et tout de suite tu penses au drame des séries, tu sais, quand t'as un truc qui tombe en panne, t'as tout qui tombe en panne après. Mais c'est bon, elle a redémarré. Tout va bien. Bon, il est 10h18, j'attendais en bas, mais en fait, je me suis dit que j'allais m'avancer sur le boulot et tout, donc je remonte et puis je verrai bien si sa voiture elle passe. J'aime pas en fait me lancer dans une tâche de boulot et de l'arrêter en plein milieu, mais bon, c'est pas grave, je vais faire ça. Et puis ça va aller, ça va le faire. Allez, let's go. Bon, les amis, il est actuellement 11h04, le père de Laura vient d'arriver. En fait, elle l'a rappelé. Il a dit, bah non, hier, tu m'as dit que t'annulais. Elle a dit, non, en fait, hier, quand il lui a demandé s'il venait, elle lui a dit, bah, ça dépend si ça fait beaucoup de frais ou pas, sinon on attendra le mois prochain. Et du coup, j'ai dit à Laura, bah, de toute façon, on peut déjà commencer l'ossature et tout. Le bois, on l'a, les vis, c'est pas ça qui coûte le plus cher et tout. Du coup, elle l'avait rappelé, sauf qu'en fait, il a pensé que le SMS, elle l'avait envoyé après l'appel téléphonique. Donc, c'est pour ça qu'il était pas venu. Donc là, elle l'a rappelé ce matin en disant, non, 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 non. Elle dit, c'est toujours prévu, t'inquiète pas et tout.
Donc là, moi, en attendant, j'ai continué à écrire mon livre. Là, je suis sur le passage de la naissance de Gabriel. Je vois bien que mon cerveau a occulté certains éléments. Il y a certains trucs où bah, ça a occulté, tu vois. Donc voilà, je continue d'écrire mon bouquin. Et puis là, je vais descendre de façon pour ces travaux et tout ça. On va voir un peu comment on s'organise et tout. Bon les amis, le père de Laura vient de repartir, on a fait toutes les mesures. Alors regardez, ça c'est le projet du coup que j'ai retrouvé sur TikTok. C'est des gens qui ont fait ça sur TikTok. Et nous l'idée c'est quasiment la même. Voilà, c'est quasiment la même chose que ça en soi. Juste là un petit peu plus d'épaisseur et là le coffrage beaucoup plus ouvert. Mais voilà l'idée qu'on veut faire. On met juste pas la télé au mur, donc on a fait les mesures. Ah, je crois qu'il y a ton père à nous. Bon, avant que le père de Laura lui ramène ça. Du coup, on a mesuré le milieu, pour le milieu de la télé, et ensuite on a mesuré les étagères jusqu'où on va et jusqu'où ça descend. Donc ça va descendre jusque là, le coffrage, et les étagères du coup iront jusque là. Donc ça fait 86 de large pour les étagères, et elles font 40 cm de hauteur et 35 cm de profondeur. On a pris des livres pour comparer, et on aura du coup 4 bibliothèques de chaque côté, au-dessus du placo, et en dessous du coup la télé sera posée sur un caisson. Donc en gros, voilà, ça arrivera là. Et de chaque côté de la télé, on a à peu près 15 cm. Comme ça, si un jour on change de télé, ça va, qu'on n'est pas embêté. On la mettra pas au mur, on la laissera poser sur le caisson, et voilà. Donc là, son père va voir ce qu'il a comme matos chez lui, parce qu'il a dit qu'il avait des rails, des trucs et tout ça. Donc, voir un peu ce... Hein ? Ah ! On va voir un peu ce qu'il a et tout déjà de base. Et après, il faudra acheter ce qu'il faut. Et je vais demander aussi au nouveau proprio, à Gaston, à côté. Parce que vu qu'on a rentré 450 m² de placo, je vais lui demander si je peux lui prendre 2-3 plaques de placo. Je paye bien évidemment. Mais je lui achète 2-3 plaques de placo qu'il a dans le garage. Comme ça, moi, ça m'évite d'aller au Brico chercher des plaques. Parce qu'en plus, c'est du 2,50 et je peux pas transporter du 2,50 dans la voiture. Donc voilà, il y en a besoin peut-être de 2-3 plaques tout au plus. Sachant que lui, il se les fait livrer à chaque fois. Donc voilà, je lui demanderai si je peux lui en prendre 2-3. Ça sera plus pratique. Et pour les rails à voir. Là au niveau des rails, de ce qu'il faut, il y en aurait pour 40 balles de rails de placo. Après, faut les vis, la bande armée, l'enduit. Il m'a dit que l'enduit, il en avait déjà. Bande armée, il faudra en reprendre. Et puis les plaques de placo, ouais, à voir du coup ce qu'il faut. Mais ça devrait le faire. Bon, je vais faire à manger aussi. T'as faim, chérie? Oui. Ok, bah je vais faire. Tu veux cordon bleu à midi? Avec du blé. Oui, ça te va? Bon, les amis, il est actuellement... midi 59, nous venons de manger, j'ai fait du blé avec cordon bleu, voilà, c'était très bien. Tu vois, pas simple, pas trop calorique, c'est bien. Blé fait au cookéo, bien sûr. Là, je retourne sur le PC, je vais continuer d'écrire mon bouquin. J'étais sur le chapitre avant, j'ai arrêté quand le père est arrivé. J'aimerais le terminer maintenant. Donc, je vais attaquer ça. Et puis après, il devrait revenir tout à l'heure, son père, avec le matos qui lui restait chez lui. Donc on verra bien. Bon les amis, il est actuellement 14h11, j'ai continué d'écrire mon livre, je suis maintenant à 105 ou 106 pages d'écrit. J'ai passé tout le passage de Gabriel, une deuxième infidélité, les problèmes financiers, mes mensonges aussi, j'en parle, hein, sans aucun problème. Oh, je viens d'arrêter 14 pages depuis ce matin d'écrit là. J'en réécrirai probablement en fin de journée, je sais pas, on verra bien. Peut-être pour 14 de nouveau, mais une petite dizaine, je sais pas. Donc là, on est en 2011 là. Et ouais, putain, c'est de plus en plus de pages. Bref, on verra bien. En tout cas, j'ai envoyé aux personnes qui le lisent pour avoir leur analyse et leur retour et tout ça. Le père de Laura n'est pas encore revenu. Je pense le temps qu'il mange, il prépare ses affaires et tout ça. Voir un peu ce qu'il a. Il veut voir ce qu'il lui reste comme matos en rab. Parce qu'il veut déjà utiliser et vider son stock à lui. On va voir le matos qu'il a et après voir ce que nous, on doit acheter en plus. Je sais pas s'il veut commencer aujourd'hui. Laura me dit tout à l'heure, elle me dit, tu penses qu'il y en a pour combien de temps à faire la bibliothèque? Je dis, bah, connaissant ton père, ça peut aller très vite, hein. S'il a le matos, ça va très vite, il y a l'ossature à faire, une fois que l'ossature elle est vissée, après il y a juste à habiller en placo, comme il l'a dit, de toute façon c'est pas la structure qui va prendre du temps ni le placo, c'est les finitions, c'est l'enduit et tout ça. Ça de toute façon c'est lui qui fait, moi je fais pas l'enduit et tout, donc je peux l'aider pour les rails, je peux l'aider pour le placo et tout, pas de soucis, mais après pour le reste, compliqué. Donc je sais pas, à voir, je sais pas quand il aura fini, quand il commencera non plus. Je sais pas s'il commence aujourd'hui, je pense pas, à mon avis, il va juste amener le matos, on va le poser dans la véranda, et puis on verra bien ce qui nous manque en matériel et tout. Ouais, on verra, les vis et tout, et puis j'ai rubrico dès que possible, de toute façon.
Et là, pareil, demain soir, je suis pas là, je suis en enquête pour Ghost and Us et tout. D'ailleurs, faut que je recharge la batterie de la grosse cam. Ah bah, elle est déjà chargée, elle est pas dessus. Je l'avais déjà mise en charge. Ah bah oui, elle est déjà chargée, donc c'est bon. Demain soir, on fait une petite enquête avec Geoffrey de Ghost and Us dans un restaurant, une auberge restaurant abandonnée. Qui est pas loin de chez lui en plus d'ailleurs, c'est cool. Du coup, bah, j'ai dit à Laura, j'ai dit écoute, t'es toute seule à la maison. À chaque fois, elle est pas très rassurée quand j'ai en enquête et qu'elle est toute seule. Surtout qu'en ce moment, nous avons pas mal de phénomènes paranormaux. On m'avait demandé le jour en live, on m'a dit t'as des phénomènes chez toi. Ouais, là, ça fait quelques semaines, voire quelques jours qu'on a beaucoup de phénomènes paranormaux à la maison. Après, on s'inquiète pas plus que ça, mais c'est vrai que quand t'es tout seul, bah, elle a le flip. Et je lui ai dit, t'as qu'à aller boire un verre avec une copine, aller bouffer au resto avec une copine, je sais pas, fais quelque chose, au moins ça t'occupe, et puis t'es pas à la maison. Puis elle me dit, oh non, j'ai pas envie et tout. Et je lui ai dit, mais vas-y, fais-toi plaisir, de toute façon je suis pas là, donc voilà. Et hier je lui ai dit, sinon si tu veux pas sortir, parce que le soir elle aime pas trop sortir, j'ai dit, t'as qu'à demander à une copine de venir. J'ai dit, comme ça, ça permettra de discuter, ça t'occupera et tout. Et là, midi, je lui ai dit, t'as demandé à une copine et tout. Elle me dit, non, de toute façon, ils pourront pas, machin et tout. J'ai dit, putain, mais demande. J'ai dit, après, tu plains en plus que tes copines t'invitent jamais. Je dis, mais en même temps, tu refuses à chaque fois qu'elles t'invitent ou tu les invites pas. J'ai dit, invite-la. J'ai dit, au moins, t'auras demandé. Et en fait, sa copine lui a répondu positivement. Même une de ses copines a demandé à d'autres aussi, en lui disant avec plaisir qu'elle viendrait boire le café le soir et discuter avec elle. À la condition qu'elle lui fasse une galette des rois. En plus, j'en avais parlé de la galette des rois, tiens. J'ai dit, alors, tiens, ça tombe bien. Je suis pas le seul à en parler. Donc du coup, ouais, bah, demain soir, au moins quand je suis pas là, il y aura sa copine qui sera là, quoi. Elle sera pas toute seule. Donc ça, moi je suis rassuré. De toute façon, je rentrerai pas tard parce que moi je vais chercher mon matos en fin d'après-midi au cabinet de mon avocat. Geoffrey, il rentre en fin d'après-midi du coup d'une sortie. On se rejoint, il fait nuit à 20h30, 21h, on fait l'enquête, 22h j'ai fini. 23h30, je suis à la maison, hein. Ça va, hein. Je vais pas rentrer trop tard. L'été, c'est plus compliqué parce qu'il fait nuit à 22h, donc on rentre beaucoup plus tard et surtout que là, ça sera pas une grosse enquête. Ou pas, je sais pas, mais normalement ça devrait pas être une enquête gigantesque ou quoi que ce soit. Faudrait juste que j'achète des piles. De toute façon, demain faudra aller acheter ce qu'il faut pour sa galette des rois, mais il faut que j'achète des piles aussi. Oh, j'oublie. Bref, là j'ai fini ça, j'ai envoyé le document et tout. Maintenant je vais redescendre, je vais me poser un peu devant la télé avec Laura et puis on verra bien si son père revient ou pas. Je sais pas s'il revient là ou pas. On verra bien. On avisera. Aïe aïe. Bon, les amis, il est actuellement 16h47. Du coup, le père de Laura est revenu, il a été chercher lui avec sa bagnole parce qu'en fait il a des barres de toit, ce qui lui permet de fixer les montants et tout ça directement sur le toit de sa voiture. Bah parce qu'il a plus de remorque forcément. Et du coup, il est allé chercher lui ce qu'il fallait, comme ça au moins, moi je préfère, comme ça au moins il sait quoi prendre, il sait ce qu'il faut prendre, les bonnes références, voilà, moi ça m'arrange. Du coup, il est allé chercher ça au magasin de tout à l'heure, il vient de les déposer, du coup, on les a mis dans la véranda. On a tous les montants et les rails nécessaires pour faire le. Pour faire toute l'ossature, toute l'ossature de la cloison et tout. Les vis et tout, voilà. Tout est là. Les rails, les paquets de vis, voilà. Il y a tout ce qu'on avait besoin. Il manquera du coup le placo et l'enduit, mais l'enduit il m'a dit qu'il en avait encore. Et moi j'en ai encore aussi là-bas. Et au niveau du placo, du coup j'ai vu Gaston, bah, le nouveau propriétaire à côté, qui s'appelle pas Gaston, mais je l'appelle comme ça. Du coup je suis allé lui demander, vu qu'on a rentré 450 m² de plaques de placo. Puis en plus des plaques de 250, parce que nous dans le grenier au-dessus, on a été obligé de mettre des plaques de 120. Parce que 250 ça passait pas dans les escaliers. Ici. Donc là c'est des 250, il nous en faudrait à la limite 3 tout au plus. Du coup j'ai demandé si c'était possible que je en prenne. Je lui paye bien sûr, je lui dis je te paye les plaques. Mais que je t'en prenne, j'ai comme ça moi ça m'évite d'aller au bricot, acheter des plaques et en plus je devrais prendre des plaques de 120 et pas de 250, donc il me faudrait le double en quantité de plaques pour les foutre dans le Q7. Du coup il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, il m'a donné la clé du garage, la clé de son garage, il m'a dit tiens je te donne la clé de mon garage, il dit c'est un double. Il m'a dit tu viens quand tu veux chercher les plaques et tout, il me dit comme ça tu les prends à ta guise, tu me diras combien t'en as pris et puis voilà, il dit de toute façon je suis pas une ou deux plaques près, hein. Il dit de toute façon je devrais m'en faire relivrer de toute manière. Donc comme ça, moi, ça m'arrange, ça m'évite d'aller au magasin en chercher. Et on en a là à disposition, il en a, moi, 200 plaques presque de placo là-bas. Il m'a juste dit, quand il ira aller chercher, il dit, attends que le vieux con, il soit là. Il dit comme ça, il verra prendre mes plaques de placo, il va péter un plomb encore plus. Parce qu'il a encore appelé l'ancienne propriétaire hier, le vieux con. Il a appelé l'ancienne propriétaire hier soir pour se plaindre que Gaston, il mettait une remorque devant sa fenêtre. Bah oui. Sa fenêtre de cuisine au vieux con, et juste en dessous de la fillette de cuisine de l'appartement qu'il est en train de rénover. Donc comme ça il met la remorque en dessous et puis il jette dans la remorque, mais ça lui plaît pas au vieux. Donc il allait se plaindre à la propriétaire, à la future ancienne propriétaire quoi. Quels abrutis ces gens, je te jure.
Bref. Laura, elle est en train de faire du tri dans les affaires de Chloé. Il y a déjà trois cartons qui partent d'affaires trop petites et tout. Comme ça, voilà, ça fait un très bon tri et c'est pas plus mal. Moi, il me reste un petit peu de placo, tu vois. Comme ça, on fera le rendu aussi là, où j'ai refermé le coffrage. On fera un coup d'enduit aussi à ce niveau-là et puis ce sera bien. Ah, je suis content. Et du coup, il nous a montré l'appartement qu'il est en train de rénover au-dessus, là. Putain, le boulot qu'il a fait. Ça me rappelle quand on a fait les chambres. Mais ouais, il avance vite quand même. Hein. Et il bosse bien. Hein. Même le père Laurent, qui est plaquiste depuis 40 ans, il a dit ouais, tu fais du bon boulot. Hein. Pour quelqu'un que c'est pas son métier, il fait du bon boulot. Donc c'est quoi ça? Bref, fumez un coup, moi. On va faire du bing. Bon, les amis, il est actuellement 18h47. Je suis redescendu. Laura a rangé tous les paniers de linge qui étaient en attente. Absolument tous les paniers. Moi, j'ai réécrit cette page du livre. J'ai eu ma mère au téléphone aussi, elle a été 4 fois au ciné avec les gosses, putain. Et du coup, demain, faut aller acheter ce qu'il faut pour la galette des rois. De quoi? Ouais. T'arriveras à passer chez le traiteur pour lui déposer ses vaisselles, là? S'il faut. Sinon, tu laisses, j'irai en allant à Épinal. Ouais, ouais, bah oui, bah oui. Non, bah je pars 20 minutes avant et c'est bon. Hein. De toute façon, j'ai pas de temps. Faut juste que j'y aille avant la fermeture du cabinet de l'avocat et ça ferme à 18. Donc bon. Ça ira. Et Geoffrey, pas sûr qu'on fasse l'enquête. Parce qu'il est malade. Il a vomi toute la nuit et tout. Et je lui ai dit, mais du coup, pour l'enquête demain, tu le sens comment? Je lui ai dit, après, je lui ai dit, de toute façon, moi je dois quand même aller à Épinal dans tous les cas pour aller chercher mon matos. Donc. Je dis, je viens pas exprès pour l'enquête et il m'a dit, bah je sais pas trop, je te dirai demain. Donc je verrai bien. Donc au pire, je vais chercher le matos. On verra. Bah j'ai mal, ça sert à rien. On verra bien demain. Bon, je vais faire chauffer le blé de midi là. Il nous en reste pour ce soir. Très bien. On mange. Après j'ai mon live ce soir. Du coup, je vais quand même monter mon vlog ce soir là parce que demain le père de Laura il vient à 9h pour les travaux. Au niveau coût là, de ce qu'il a acheté, il m'a donné les factures, il y en a pour 100€ pour les rails, les vis, les montants. Il restera après le placo, c'est genre 3 balles la plaque de placo. On en prendra 3, donc ça fera genre 10 balles. Et après l'enduit et tout, il a déjà. En gros, cette bibliothèque ne devrait pas nous coûter extrêmement cher, donc ça va. On verra bien. Non, pas que j'oublie de mettre l'argent sur le compte joint aussi, parce que mes prélèvements c'est vendredi. Chaque fois je me dis, putain, je vais remettre un rappel sur mon réveil, ça ira plus vite. Enfin, sur mon agenda. Bon, les amis, il est actuellement 19h14 et je m'apprête à monter mon blogu. On a mangé le reste du coup de blé, c'était très bon. Là, je vais monter mon vlog et puis après, je vais prendre ma douche et me préparer pour le live de ce soir. Avant les travaux de demain à 9h. Donc demain commencent les vrais travaux. Aujourd'hui vous avez vu un petit peu ce qu'on voulait faire et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et puis j'ai encore écrit quelques pages de mon bouquin, là je suis à 112 pages. Compliqué là, les pages que j'écris. Aïe aïe aïe. Allez, let's go, des bisous.